Salut tout le monde, c'est Camille pour l'épisode numéro 39 de Skyrim. Il est 19h44, nous sommes le 13 octobre 2014 toujours. Beau travail. Avant que nous ne déclarions la guerre à nos ennemis, nous devons mener une guerre contre nos propres éléments médiocres. Soyez fidèles à votre voix la plus noble, et servez-vous-en pour anéantir vos adversaires. Au rapport. Vous allez à Fort Buzard. Retrouvez les frères en préparation pour l'attaque, puis aidez-les à mater ces impériaux. Une fois la victoire obtenue, nous investirons le fort. Qu'en dites-vous? En êtes-vous capable? Oui, comme si c'était fait, oui. Bien, vous avez le feu sacré. J'aime bien ça, que Talos vous guide. Allez, on va au Fort Buzard. Fort Buzard, où est-ce? Forcément, on n'y est pas allé. Oh, on est où? Oh, t'es sérieux? Le plus accessible, ouais, ça va être là. Oh la vache! Ah, ça va faire de la route tout ça. Alors, c'est par là. Mon cheval. Et là, ça c'est cool le cheval par contre. Parce qu'on va arriver au fort. Ah, j'aimerais bien les fourber un petit peu. C'est-à-dire aller au fort, attaquer tout le monde et après aller voir pour la quête. Ah ouais, plus personne. Je sais pas si ça fonctionnerait. Oh non, encore de flotte. Ah, ça va, y a pas pour. C'est du marécage. Allez! Est-ce que le cheval s'essouffle aussi, hein? J'ai pas pris le cheval le plus endurant. Y'a pas le fort encore là? Alors. Eh ben, on va faire une jolie sauvegarde, parce que, voilà. La dernière fois, j'ai galéré, j'ai tué tout le monde. Et... C'est tout ce que je savais faire. Bah ouais, c'est déjà pas mal, hein, qu'est-ce que t'en penses? Bah, j'en profite pour récupérer un petit peu l'amulette de standard. Au pire, ça se revendra. Voilà, boah. Allez, un petit peu encore plus d'acier cool. Voilà la mort. Allez, récupérons une nouvelle vie quand même. Pas un autre accès pour entrer là. Oh, comment je vais les attaquer par derrière. D'accord, bon bah... Oh, bon bah lui il s'est fait prendre deux flancs de front. J'aime bien ramasser en même temps. Ah si c'est cool. Filon, filon. Allez, bah vas-y hein. Oh la vache! 75% remaining. Putain, la vache! Torche, on s'en fout, on est déjà blindé de torches. On en a 8. Il y avait pas un cadavre là? J'avais un mec bien cuit là normalement. Bon bah on va retourner là. Alors, en parlant des gratinures,
On en a un peu trop pris par la gueule là. Et on va faire les bruits derrière. Salut les gars. Oh la vache, le malade c'est descend. D'accord, ok, faut que je ramasse aussitôt en fait. Oh, je veux faire nac. Nous sommes vaincus, replions-nous. Bon, ça m'embête du coup. Je ne peux pas lutter. Objet. Je vais mettre un favori quand même. Voilà. Une dague, des flèches de six, c'est cool, c'est ce que je veux. Oh, comment t'as pu le faire là-haut? Mais ils sont où les coquins? Ils sont là. Level! Oh, j'ai pris, je crois que j'ai pris un level. J'ai peut-être tapé un pote là. Allez, allez. Voilà, ils sont. Ah, les corps disparaissent trop vite, tiens. Pareil, ouais, bah, ça paraît. Ah, comment ça mange, les gars, par contre. Hop là, je commence vraiment à manger. On va mettre soin sur les deux. Hop, et on va refaire du feu. Merci les gars. Bah ouais, je rentre pas alors. Il meurt. 0%. Oh, putain, sérieux. Oh non, non. Ok, bon. Eh bien, je vous fais une ellipse hein, jusqu'à la fin de ce live. A tout de suite. Bon, re. Je galère, c'est vraiment bout de course, j'ai galéré. Bon, on va rester en soin. On va augmenter, on va se faire un peu la quand même. Pour qu'on soit full. Voilà. Alors, on prend Molac. Et on va informer. Avant. Ah oui, le petit niveau, c'est vrai. Le petit niveau. Magie. Et bon, on va augmenter la santé. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut s'augmenter des sous? Guérison, on est à 30 piles. C'est quoi ça? Lancer un double qui permet d'obtenir des effets plus puissants. Ah, c'est pas mal. Bon. Destruction me plaît plus, mais on va regarder. Je sais plus ce que c'était. Forge, non, armure lourde. Il demande 40, ouais, c'est ça. Manu, non, plus 25 bonus d'armure en cas de mouvement lourde complète. Ah! Plus 25% d'armure. On aura plus d'armure parce qu'on est complet. Oh, oui. Ça, ça m'intéresse. T'as le chien, mais ta gueule, je sais pas si tu parles. Carte. Donc, la quête. Faut aller. Bah oui, c'est vrai, faut aller informer le fric. Et le fric sombrage. Ah, je suis en train de galérer parce que j'ai vraiment mal au ventre. Ouais, je fais une vidéo avec un mal de ventre. Ça fait deux jours que j'ai pas mangé, mais c'est pas grave. Bon, vous en foutez en partant. Oh, on a la nuit, c'est ça? Ah non, il est matin. Ah bah tiens, on va attendre 4 heures, c'est nickel.
Hop, c'est bien, t'as popé. Tullius doit commencer à être nerveux. Grâce à la prise de Yalmarsh, nous sommes maintenant presque sur son seuil. Dès que nous le pourrons, nous marcherons sur Solitude. Bah quoi ? Vous avez rejoint le rang des héros de bord de ciel. Je vous considère comme un membre de ma famille. Je vous appellerai maintenant Foudre l'âme. Cool. Dans votre cœur, l'amour de ce pays et de ses habitants coule à flot, tout comme le sang de vos ennemis. Au nom des fils et des filles de bord de ciel, au nom de tout ce qui est juste et vrai, prenez ceci en gage de notre appréciation. Ok, maintenant. Vous n'avez pas le temps de savourer vos exploits. Nous nous rassemblons pour l'assaut final sur Solitude. Ouh. Je veux que vous soyez là-bas. Présentez-vous au rapport dans notre Kanda à Fingar. Ok. Alors, officier et sombrage. Sombrage. Oh, oh, je suis en train de me réinstaller, j'ai mal au dos. Oui, je suis HS en ce moment. Je suis monté en kit. Ah non, je ne suis pas suivi de voix. Bleu de merde, voilà, c'est bon. Allons en direction. Alors, ouais, il y a un mode que j'aimerais, ça me saoule en fait de me taper la route. C'est, si vous savez lequel c'est le mode des maisons. Pour aller dans la ville sur la carte directement, quand on passe sur la carte, aller directement à Yérim, au lieu de se taper la route à chaque fois pour y aller, parce qu'elle est très mal placée, Yérim. C'est super chiant. Alors... Ah bah non. Hey, faites attention. On récupère la cuirasse des sombrages, attends. D'officier sombrage. Oh bordel. Ah. Officier. Oh là, y a pas de coiffe. Amulette, anneau, armure, cuirasse. Y a pas de coiffe, d'accord. Eh bien, tant pis. Armure elfique, j'ai ça moi. Donc c'est sûr que j'ai une armure elfique. Oh, j'en ai marre de me planter de touche. D'accord, je suis pas fan des armures elfiques de toute façon. Bon, ben voilà. Oui, c'est les jambes en bois, ouais, c'est bizarre. Donc, il nous restera plus qu'une chose à faire. Évidemment. Il nous reste combien de temps d'épisode? Oh, 10 minutes, quoi. Alors, je sais pas si c'est mon chien qui a couiné. Ou si c'est autre chose. Bah, c'est pas du tout ça que je voulais. Bah, c'est vous, certain. Intimidé, Michael, à Blanche Rive. Eh. Go. C'est M la touche. Blanche Rive. On va l'intimider. Je sais pas pourquoi faut faire ça, mais faut l'intimider. On va libérer quelques petites quêtes, comme ça on pourra s'attaquer à l'épisode. La semaine prochaine, on pourra directement s'attaquer à. Aux nouvelles quêtes. Enfin, on va finir les quêtes justement de. Hein, on va finir les quêtes. Ah, le jour se lève. C'est chiant d'avoir plein de points à chaque fois. Yaha! Bonjour! Vous êtes bonne de mer! Bienvenue! J'ai rien! Quoi que ce soit, je suis là! Ouais, salut! Je dois avoir une shop propre quelque part. Salut! Il y a eu une terrible bataille ici, à Blanche Rive. C'était palpitant! Je me dois d'en faire une chanson un jour. Valentia tranquille. C'est Carlotta qui vous envoie, n'est-ce pas? Je suis désolé, mais cette veuve flamboyante est à moi. Ah ouais, bon. Elle ne le sait pas encore, c'est tout. Elle ne vous appartient pas, laissez-la tranquille. Oh ouais, bagarre! Vous n'avez pas le droit de me parler ainsi. Bagarre! Vous n'avez jamais dû venir ici. Allez, voyons ce que vous avez dans le ventre. Attrapez-le!
Bah en tout cas, moi, je sais ce que t'auras dans le crâne, ce sera mes points. La vache. Question. On va remettre Molag, on va se remettre du soin complet. Vous savez vous battre, je vous le concède. Attrapez-le. Laissez Carlotta tranquille, vous allez le regretter. Vous avez gagné. Je jure sur mon honneur que Carlotta n'aura plus rien à craindre de moi. Voilà. C'est la chanson préférée des gens. Ragnar le Rouge. Ben voilà. Allez, allons voir Tarkas. Gros imbécile, vous ne savez rien de nos luttes, de nos souffrances. Rien. Ah, c'était quand même pas une quête de... Si, c'en était une. Skior dit que j'ai la force d'Isgramor et que... Certaines personnes pensent que je suis pas intelligent. Ils se prennent mon poing dans la figure. Mais vous, je vous aime bien. J'ai réglé le problème. Je me doutais que vous en seriez capable. Ouais. Bien joué. D'accord. Je cherche du travail. Skior vous cherchait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il veut ? Je ne sais pas. Il a simplement dit qu'il voulait vous parler immédiatement. Ok. Je n'ai pas envie de l'énerver. Mais voici du travail pour vous, si vous en voulez. De toute question manière, ce sont des mensonges. Ok, bon bah on ira le voir. Salut. Putain, je reste. J'adore. J'adore. Alors, les quêtes, on en est où ? Les affaires sont les affaires. Moi, c'est lui, on a de ma mère. Récupérer la dette. Ok, la dette. Oh la vache. Une gorge du monde. Adressez-vous. Garde de l'eau. Adressez-vous à la... au chef de la garde de l'eau. Allons voir. Là. Oh, t'es sérieux? T'es sérieux? Ouais. Eh bien, j'ai envie de vous dire, on s'en occupera plus tard, parce que la garde de l'aube, c'est un DLC. Et ouais. Et du coup, la garde de l'aube, non. J'ai déchiffré le mur d'Albin. Allons voir ce que c'est. On va... ça vite fait. Emma. Voilà. Oh, Rodgar. On va faire les petites quêtes avant de repartir correctement. Super jeu. J'ai 50 messages. Oh, Rodgar. Niveau 15, c'est bon ça. Bonjour. Votre formation est sur la bonne voie, enfant de dragon. Merci. Je dois apprendre le cri utilisé pour vaincre Aldous. D'où tenez-vous cela? Qui vous en a parlé? C'est inscrit sur le mur d'Aldous. Les lames, bien sûr. Ils adorent se mêler de ce qu'ils sont incapables de comprendre. On va pas être copains. Leur arrogance démesurée ne connaît pas de limite. Ils ont toujours cherché à détourner l'enfant de dragon de la voie de la sagesse. J'en ai un peu rien à foutre. N'avez-vous donc rien appris de nous? Souhaitez-vous simplement être le pantin des lames et servir leur cause? Je veux péter Alwyn, j'en ai rien à foutre. Les lames mettent, je ne suis pas leur marionnette, voilà. Les lames veulent juste vaincre Alwyn, pas vous. Au moins les lames ne me cachent pas les choses. Oh, j'aime bien celle-là, j'aime bien. Détrompez-vous et prenez garde. Car les lames prétendent servir l'enfant de dragon... Mais ce n'est pas le cas. M'en fous. Ça ne l'a jamais été. Ils veulent péter à toi. Moi non plus. Je vous ai caché ce que vous ne pouviez encore apprendre. Et vous en êtes toujours incapable. Ce que vous venez de dire le prouve. Donc vous refusez de m'aider? Non, pas pour le moment. Pas avant que vous n'ayez regagné la voie de la sagesse. Ah, on n'est pas copains là.
Je vous ai donné ma réponse. Partez et reconsidérez les choix qui s'offrent à vous. Fausse Rodin ! Tu m'énerves. Pardonnez-moi. Je me suis montré excessif. J'ai laissé mes émotions affecter mon jugement. Maître Enhart m'a rappelé alors. Oui. La décision de vous aider ou pas ne me revient pas. Je préfère. Alors, vous pouvez m'enseigner ce truc ? Non, je ne peux vous l'enseigner, car je ne le connais pas moi-même. On l'appelle Fandragon, mais ses mots de puissance nous sont inconnus. Ce n'est pas une grosse perte. Le Fandragon n'a pas sa place au sein de la voie. Je pensais que vous connaissiez tous les mots de puissance. Pas le Fandragon. Le savoir lié à ce cri a disparu avec le temps. Et ce, bien avant l'histoire de l'homme. Seuls ses créateurs l'ont peut-être connu. Mais vous en parler n'entre pas dans mes prérogatives. Si le secret cri était perdu, comment pourrais-je vaincre ? Seul Parthur Nax, le maître de notre ordre, peut répondre à cette question. S'il l'accepte. C'est qui ? Il est notre maître. Il maîtrise la voie mieux que chacun d'entre nous. D'accord. Dans ce cas, je lui parle. Vous manquiez de pratique. Et vous en manquez toujours. Mais grâce aux lames, vous avez maintenant des questions auxquelles seul Parthur Nax peut répondre. Et pourquoi je ne l'ai pas rencontré ? Il vit reclus au sommet de la montagne. Il s'adresse rarement à nous. Et encore moins aux étrangers. Pouvoir s'entretenir avec lui est un grand privilège. Comment, putain, comment... Seuls ceux dont la voix est assez puissante peuvent trouver le chemin. Venez, nous allons vous enseigner le cri permettant d'ouvrir le chemin vers Parthur Nax. D'accord. Eh bien, je vais te suivre, mais c'est la semaine prochaine. Eh oui, parce qu'il y a un moment où on va arrêter les frais quand même. Voilà, il est temps. Voilà. Moi, je vous donne rendez-vous, du coup, le mardi, tout simplement. Voilà, allez, ciao tout le monde. Et puis, à mardi, toi. Allez, ciao tout le monde. Ouss.